Mwanamke ni kama kile kimajani ya chai kile cha karatasi. Ukikiona hivi utakidharau. Lakini huwezi kujua nguvu yake mpaka ukiweke kwenye maji ya moto. Kitatoa rangi mpaka useme basi imetosha. Kwa hiyo huyo ndio mwanamke. Huyo ndio mwanamke. Ndugu zangu, tukiwa kwenye jambo letu tunaweza kufanya. Tunaweza kufanya. Huko nyuma hatukudhani tutakuwa na rais mwanamke na afanye. Lakini kwa sababu niko kwenye maji ya moto nafanya. Depuis Bruxelles, au Royaume de Belgique, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est intervenu par surprise à la réunion du Conseil des ministres du vendredi 11 mars 2022. Au moment où autant de rumeurs courent sur son état de santé, cette intervention du président de la République, plutôt inattendue par le membre du gouvernement, a avali son pesant d'or, d'autant qu'elle lui a permis de rassurer les uns et les autres de sa bonne forme physique. Occasion pour lui également d'annoncer son retour dès la semaine prochaine. Ainsi a expliqué le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya dans la lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, est intervenu par surprise depuis Bruxelles pour faire le point de son séjour au Royaume des Belgiques. Le président de la République a informé le membre du gouvernement qu'après s'être fait examiner dans un hôpital spécialisé, une hernie discale au niveau des vertèbres cervicales a été diagnostiquée et qu'il bénéficie d'une prise en charge médicamenteuse. Il n'a donc subi aucune intervention chirurgicale. Il a annoncé son retour au pays la semaine prochaine et il présidera en présentiel le 18 mars prochain le Conseil des ministres. Il a invité la population congolaise à ne pas suivre les incongruités et autres manipulations de certains médias et laboratoires mal intentionnés.